Pokémon Tigalax, et là aujourd'hui c'est encore Second Wildlands. Très heureux de vous retrouver pour la suite et sûrement la fin de ce let's play aujourd'hui. Regardez l'hélicoptère qui va tomber, qui va s'écraser comme une grosse merde. On est là pour atteindre le rendez-vous, donc pour la mission, la proposition de Suenio. Regardez l'hélicoptère. Il tombe encore plus vite que nous lui. Attention explosion. Et... aïe aïe aïe, bam. Pauvre hélicoptère. Bref, nous arrivons aux amis dans la zone avec le parachute. Putain, mais c'est que je tombe vite moi, dis donc. Donc effectivement, on doit atteindre le rendez-vous pour l'une des deux missions face à El Sueño. Donc la proposition d'El Sueño, on va commencer par cette mission là. Alors est-ce qu'il y aura une voiture dans le coin? Bah oui, de toute façon il y en a ici au pire. Non mais on va y aller à pied, hein. Vous savez quoi, c'est pas trop loin. Par contre on va courir, hein, parce que sinon voilà, ça va être trop long. Alors apparemment nous sommes en fin de soirée je pense, hein. On voit le petit coucher de soleil. Allez, on est à peine à 130 mètres. Tenez-vous prêt. La grande base du cartel. Ah, je crains le pire là. Hein. Alors, niveau art, mes amis, nous sommes pareils qu'à la vidéo d'avant. Hein. J'ai juste, par contre, niveau visuel, changé de chapeau. Attention, c'est peut-être une embuscade. Téléphone. C'est pas un EEI. Ça sonne beaucoup trop. Trouvez-le. Voilà le téléphone. On répond ou quoi? Comptez pas sur moi. Putain de merde. Caballeros, ici El Sueño. Ravi de pouvoir enfin vous parler. Moi qui croyais qu'on allait se rencontrer face à face, me dis pas que t'as pris du retard. Pardon pour ce subterfuge, mais la prudence est de mise dans notre métier. Je ne vous ai pas menti. Il n'y a pas de sicario là où vous êtes. Pas de soldats de l'Unidad. Tout ce que je veux, c'est discuter. Dis-nous où tu te trouves, là on discutera. Je veux juste mettre un terme aux effusions de sang. Elles sont inutiles. Elles nuisent à mes affaires. Et elles nuisent à la Bolivie. Voilà des décennies que ce pays essaie de se redresser. Ce n'est pas le moment de le remettre à terre. Dis le type qui a fait du pays sa pute personnelle. Si t'as rien de plus intéressant à raconter, on se casse. Il y a quatre voitures devant vous. Prenez ça comme une prime à la signature. Attends, répète un peu ça, j'ai dû entendre un truc de travers. Tu veux qu'on bosse pour toi? Vous êtes quatre des types les plus dangereux au monde. Bien sûr que je veux vous embaucher. Chaque jour, vous risquez votre vie pour votre pays. Et votre gouvernement vous paie quasi nada. Travaillez pour moi, pour la Santa Blanca. Et vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. Je suis au regret de devoir te répondre et d'aller te faire enculer. Si on est venu à ce rendez-vous, c'était uniquement pour te buter. T'as décliné l'invitation, tant mieux pour toi, ça te donne un léger sursis. Mais je te conseille de commencer à faire tes adieux. Parce qu'on va venir te chercher, et là, tu vas comprendre ta douleur. Soit. Je suis curieux de vous voir à l'œuvre. Ah putain, je suis au regret de t'annoncer d'aller te faire enculer, un truc comme ça. C'était excellent, j'ai adoré. Aïe aïe aïe. Bowman, on est toujours de ce monde. Par contre, Sueño nous a fait une offre d'emploi très lucrative. Une offre d'emploi? Vous avez accepté? Les avantages sociaux étaient pas top. Alors on lui a dit qu'on allait le tuer. Du coup, tu vas devoir nous supporter encore un peu. Tant pis. On se recontacte. Ok, Bowman, j'ai adoré cette séquence. Donc voilà, mission accomplie. Effectivement, vous me l'avez dit, hein, que c'était juste une mission. Vous m'avez dit en commentaire pour certains qu'effectivement, c'était pas une mission d'action, etc. C'était juste une mission voilà, où on parlait à El Sueño. Bref, écoutez, on peut tester la voiture du coup. Ah bah, bien sûr. Donc, ça, on a eu 4 voitures gratos. Eh, c'est vrai qu'en plus, des voitures de luxe, hein. Ça, ça coûte une blinde. Pardon, copain, je t'ai oublié. Bref, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va directement se téléporter vers un autre point, parce qu'on va aller à la prochaine mission maintenant, concernant bien sûr El Sueño. Alors, seconde mission, vous voyez que voilà, l'arc de cercle, bim, il a été mis. Alors, deuxième mission maintenant, c'est, oula, ouais, c'est complètement donc du coup dans cette zone. Voyons voir un petit peu la zone. Donc une zone également non débloquée. Bon, heureusement, regardez, on a ici des trucs assez proches. Pucará Delta, je vais aller directement là, on va se téléporter. Et on va donc partir direction la deuxième mission qui sera, je pense, la dernière. Quoique, y aura-t-il une autre mission? Je pense pas. Normalement, c'est deux missions. Une mission où on discute avec El Sueño au téléphone et une autre, je pense, où on le bute. Logiquement, ça doit être ça. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas vu la fin encore, je me suis pas spoilé. Mais, oh, stylé la neige. Ah putain, j'avais zappé. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Par contre, y a pas d'hélicoptère. Ça, c'est con, tu vois, on va mettre plus longtemps pour y aller. Bah, c'est pas si loin. Katari nous fait savoir que l'un de ses rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Parlez à ce rebelle et découvrez ce qu'il sait. Deux secondes, je prends le volant. Ah ok, bon, on va lui parler. Attendre le rendez-vous. Ah ouais, d'accord, donc c'est une mission peut-être en plusieurs parties. D'accord. Bon, dans cette configuration, les gars, je suis désolé, moi je reste pas avec vous déjà. Attendez, je vais reprendre des munitions, quoique non, je n'ai même pas usé. Dans un cas comme ça, je prends la moto. Tu vois, parce que on ira plus vite en moto, effectivement, qu'avec une camionnette. Parce qu'on peut couper. Tu me diras avec une camionnette aussi, mais bon, disons qu'avec la moto, c'est plus simple. Wouhou. Ah, je kiffe.
Par contre, c'est vrai que la conduite à la moto, elle est pas... Elle est pas folichonne, faux folichonne, soyons honnêtes. Attention, apparemment, il y a des méchants pas gentils, là. Oh là. Oh putain, j'ai tapé... j'ai tapé la montagne. C'est pas grave. Bon, allez, bah, petit voyage, écoutez, avant de rejoindre le prochain rendez-vous. Attends, mais c'est un rendez-vous ou c'est le truc final? Non, je pense que c'est juste un rendez-vous, ça. Attends. Pacatari nous fait savoir que l'un de ces rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Ah, d'accord, donc en gros, on va croiser un rebelle, mais c'est pas encore la mission finale. D'accord, je comprends mieux. Alors, je ne sais pas du tout si cette mission, si cette vidéo du moins sera longue. Il se peut, hein, vraiment, que cette vidéo soit longue, si jamais c'est en je ne sais combien de parties, hein, parce qu'évidemment, c'est El Sueño, c'est le boss final, il peut nous surprendre. En plus, je me suis pas spoilé, hein, par rapport à la fin de jeu, donc forcément, voilà, quoi. Eh, j'adore franchement ce jeu en Bolivie parce que tu vois là il n'y a pas de neige du tout à droite et là on est dans un endroit effectivement où c'est très neigeux donc c'est bien franchement ça varie vachement en termes d'environnement. Je kiffe vraiment. Attends, on va essayer de couper un petit peu, un petit chouïa. Oh merde, j'aurais pas dû couper. Pardon madame, poussez-vous, merci. Civil tué. Bah allez, je vais juste rouler dessus. Pas grand chose. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de te faire. C'est n'importe quoi. Attends, en plus, on va peut-être perdre le... Non, je pense qu'on peut passer par là. Oh, putain. Les pauvres amortisseurs, quoi. Oh, les pauvres. On doit pas être bien loin, non? Parce que je pense qu'on est dans la région d'à côté. Ah, quand même! C'était pas à côté, à côté. Je pense qu'on aurait plus vite fait de se téléporter, tu vois, à un autre endroit. Parce que souvent, quand tu téléportes un QG, t'es un hélicoptère ou un avion. Et ouais, non, je pense que ça aurait été plus rapide. Est-ce qu'on peut monter, là? Ouais. Que ça aille plus vite. Voilà, un petit peu de off-road. Soyons fous. Parce que bon, la route c'est bien gentil, mais voilà quoi. C'est plus rapide par là. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est des paysans! Ce jeu est beau, hein. Ah ouais, ce jeu est magnifique. Ça, je vous l'ai dit effectivement à la dernière vidéo. Chaque fois, je le dis, il est vraiment superbe. Allez, Montouyoc. Un genre de camp d'entraînement du cartel. D'après Bowman, toutes les nouvelles recrues font leur classe ici. La Santa Blanca engage ses instructeurs parmi des ex-militaires de Russie, d'Afrique, d'Israël. Il y en aurait même eu quelques-uns de chez nous aussi, ouais. C'est dingue. Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie pour qu'ils se disent un jour, tiens, ce serait trop cool de bosser pour un cartel? Rien de bon, sûrement. Bowman, ici Nomade. On débarque à Montouyoc. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est le centre de formation principal de la Santa Blanca. Il y a plusieurs camps pseudo-militaires dans le coin qui brassent des recrues de toute l'Amérique du Sud. El Mouro claque un paquet de fric pour débaucher des profils type force spéciale en tant que formateur. L'instructeur en chef serait un ancien soldat américain, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Collectez des infos sur les activités de formation du cartel, et identifiez-moi l'instructeur en chef. Bien compris, Bowman. On s'en occupe. Je pense qu'on vient de trouver le camp d'entraînement principal du cartel. Formidable. On démolit tout ça? Ça m'étonnerait qu'on ait assez de matos pour détruire tout le camp. C'est pas la peine. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tuer les instructeurs. Sans eux, l'entraînement de la Santa Blanca tombe à l'eau. Compris, c'est parti. Ok, c'est encore un point de rendez-vous, apparemment. Est-ce qu'il y aura des méchants? Je ne sais pas, on se méfie quand même, apparemment, il n'y a personne. Sinon, ça me l'aurait ciblé. Il y a un truc qui cloche. Allez, vite! Merde, j'ai trouvé un corps. C'est le chef des rebelles, Amaru. Le type qu'on avait libéré. J'essaie d'appeler Pac, mais j'ai pas de réponse. Une confrontation un peu trop tendue avec le cartel qui a obligé Pac à jarter. J'ai aucune trace d'un quelconque combat. Je vais appeler Bowman, elle a peut-être des infos sur Pac. Bowman, on a un seul problème. On avait rendez-vous avec Pac et un type à lui. Avec Pac? Vous êtes où? Écoute-moi, à la place de Pac, on a trouvé Amaru mort. Est-ce que Pac Katari t'a recontacté? Pac Katari est ici avec moi à Pucara. Bowman! Bowman! Ils nous font quoi là, putain? Aucune idée, mais on doit rejoindre Bowman et vite. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour d'un officier de la CIA. Mais s'il touche à un seul de ses cheveux, je crame tout le pays. Sur ce coup, je suis d'accord. Bowman a dit que Pac était avec elle, et puis on a été coupé. C'est peut-être juste la liaison satellite qui a merdé. Ou bien Pac nous double. Weaver, trouve-moi le dernier emplacement de Bowman à Pucara. Ça marche. Aïe, 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 ça va être du lourd, ça. Alors, attends, Bowman, ok, c'est à 1,8 km. On n'est pas trop trop loin. C'est quoi, tous ces objectifs? Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus, il faut abattre les instructeurs. On a tellement de choses à faire, sérieux. Alors, écoutez, on va finir cette mission-là. On va atteindre Bowman. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un avion ou un truc. Attends, à la limite, si on se téléporte là, vous pensez que... Bon, je sais pas. Remarque, on serait pas loin de là, on serait plus proche. Je me tâte. Ouais, bah, tu sais quoi, attendez, ce qu'on va faire, on va y aller en moto. Hop, je vais re-shipper une moto. Et on va y aller directement. Allez-y, je vous rejoins. Atteindre Bowman, ouais, t'inquiète. J'y vais en moto. Alors, je sais que c'est un peu long, hein, au niveau des trajets, mais il n'y a pas d'hélicoptère et tout. T'aurais pas un petit hélicoptère dans le camp, là?
Le problème, c'est que le temps que je dise il y a un hélicoptère et tout, bah je perds vachement de temps, tu vois. Non, non, on va y aller comme ça. En moto, c'est pas non plus super loin, même si on met 3 minutes pour y aller. Ce n'est pas grave. Je pense pas qu'on en mettra 3 d'ailleurs. Hein. Donc, ouais, pour l'instant, c'est très plat. On va dire qu'il n'y a pas d'action, mais je pense forcément qu'il y aura l'émission après. Déjà qu'il faut tuer les instructeurs, il va y avoir un peu plus de punch. Et après, sûrement le combat face à El Sueño, à mon avis, qui va être vraiment. Épique, enfin je l'espère en tout cas c'est ce. En fait je vous dis ça mais c'est ce que j'espère, je ne connais pas le combat final. J'adore les surprises. Non, je déteste les surprises. Mais bon, c'est pas pour autant que je me suis spoilé. Alors c'est vrai que parfois, je vous l'ai jamais dit, hein, mais parfois je me spoil un petit peu la fin d'un jeu, c'est-à-dire que je vais l'avoir ailleurs, en tout cas au niveau du combat, pas spécialement au niveau du scénario, parce que ça j'aime bien le garder pour moi sur le moment. Parfois au niveau du combat final, je vais me le spoiler un petit peu sur YouTube, ce qui est pas bien. Alors, et c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas regardé du tout de vidéo sur la fin de Ghost Recon. Ah. Donc, atteindre Bowman, on y est. Je m'arrête toujours un petit peu avant. Je fais attention quand même, on sait jamais. Y a pas de surprise pour l'instant. Ok. Bowman. Pak Katari. Vas-y, je t'écoute. Il nous a vendu. On était là pour faire diversion. Diversion, pourquoi ? Sueño. Les rebelles ont réussi à le localiser. Entrez dans le mausolée, on se retrouve là. Nomade ? Tu comprends bien ce que ça veut dire ? À partir de maintenant, Pak Katari et les rebelles ne sont plus nos alliés. J'ai bien compris, Karen, j'ai bien compris. Tuer tout le monde. Je me transforme en bête. Allez, c'est parti. On va tout déglinguer. Ça, je kiffe. J'aime quand on me donne le feu vert pour tuer tout le monde. Parce qu'en gros, ouais, il faut maintenant... On peut tuer Pak Katari, on peut tuer... Voilà, on se comprend. Allez. Atteindre le mausolée. 10 minutes. Alors, attendez. En 10 minutes, atteindre le mausolée. Y aurait-il pas dans le coin... Non, je crois qu'il faut y aller en véhicule, là. Ok. Allons-y, il me faut un véhicule. Qu'est-ce qu'on a ? Attends, je vais prendre une bagnole. Ah ouais, ça au pire, c'est bien. Tiens, vas-y, go. En plus, on va nous tirer dessus. Eh hey, les gars, venez ! On a un sacré véhicule derrière ! Bon, je m'en fous, ils vont se téléporter. Allez, go ! On y va. On a un fucking véhicule là. Je pense qu'ils me l'ont mis là exprès, non ? J'ai une solution de tir. Je pense franchement. Mais putain, je pense franchement qu'ils m'ont mis là exprès. Par contre, on commence très très mal. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Attendez, je augmente un petit peu mon son du jeu. Très bien. Passer par ici, attention les gars, ça tire en tous les coins, c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde. Attends, vas-y, je coupe, prends le petit raccourci, on a 10 minutes pour y aller, ça devrait le faire. Je tue pas mes alliés quand même. Ah, mais c'est peut-être plus nos alliés du coup. Ah bah oui. Ah du coup, je suis con. Couchez-vous. En gros là tout le monde est contre nous quoi. Ah c'est super. Oh la camarade. Tac, tu nous expliques ce que tu fous là. Il faut faire savoir au peuple, au gouvernement, aux autres cartels que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Que nous sommes forts, par nous-mêmes. C'est pour ça que t'as tué Amaro ? Parce qu'il n'était pas assez fort ? Amaro était un idéaliste de génie. Mais les idéaux ne nourrissent pas un peuple. Ils ne lèvent pas une armée. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui, ils reviendront par dizaines de milliers demain. À leur dire ça quand ils pissent le sang. J'ai appris à accepter une chose ici-bas, c'est la souffrance. El Sueño va la prendre à ses dépens. Alors, si vous ne voulez pas finir de la même façon, je vous conseille de quitter la Bolivie. Merci pour votre aide. Adios, camarada. Quel enfoiré quand même, hein. Ah, on est seul contre tous là du coup. C'est chaud. Attention monsieur. Oh putain, j'ai failli l'écraser, je crois que c'est un civil en plus. Bon ça, on a quand même 10 minutes hein, pour y aller, hein. C'est assez tranquille je pense. Niveau temps... Ah merde, je me suis gouré, attends. Pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui l'est construit pour ses budgets. Bah vous savez quoi, j'assume. J'engage. Engage. Fais-toi plaisir. Aïe, je chute. Poussez-vous. Oh là mon dieu, heureusement qu'on a pris ce véhicule hein. Ce véhicule bien lourd, par contre est-ce qu'il va arriver au bout ? Là quand même, c'est chaud.
Un hélicoptère! Oh putain, par contre, il est trop rapide hein, ce véhicule. Dur à contrôler. Mais putain, poussez-vous, bordel! Allez, plus que 1,5 km. Bon, par contre, ouais, si je commence à tomber dans les trous, rien ne va plus quoi. Attendez, par contre, vous savez quoi? On va changer de véhicule, les gars. Parce que là, on n'est pas bien. Je vais prendre le Hummer, hein, vous m'en voulez pas. On change, les mecs. Oh là, mon dieu. Attention, les mecs. Mitrailleuse. Oh, il y a un train! Énorme! Putain de train. Oh, putain de train. Ah, il nous fait chier, lui, un peu, hein. C'est fait exprès. Avouez que c'est fait exprès. Relou, lui. Relou de chez relou. Allez. Changer de véhicule. En tout cas, il est armé, celui-ci. Je crois pas que l'autre était armé. Il était rapide, mais pas armé. Je vais pas faire prendre celui-là. Allez, direction le mausolée. Et super, bah avec le train, franchement... Oh là, mon dieu. Il y a du monde. Je passe entre les véhicules, ça arrête pas de shooter, c'est incroyable. Ces mausolées font limite pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui les construit pour ces bouts de jeunesse. Bah vous savez quoi, j'assume. Moi aussi, je veux un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un imbécile? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Ok, on y est. Salut. Eh ben on y est du coup, les gars. Ça va, tout va bien. Eh oui, on y est. Je tue tout le monde. Ok, bon là on va descendre, on va y aller à pied. Atteindre le mausolée. Alors attends, il est... Ouais, il est tout là-haut du coup. Mausolée de Sueño. D'accord, bah continue de le cibler du coup. Que l'un de ces rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Je pense que c'est par là-bas. Parler à ce rebelle. Ouais, je sais, parler à ce rebelle, machin. Et c'est même pas encore fini, hein. Parce que c'est le mausolée de Sueño. Je pense qu'il faut rentrer effectivement par là. Attends, je vais prendre mon arme. Mon autre arme. T'es où, toi? Vas-y, meurs. Je recharge direct, comme ça c'est fait. Je pense qu'il faut rentrer là-dedans, non? Je suis pas sûr. Dégagé de mon côté. Tu penses? Pas du tout. Pas du tout, faut bien passer par là-haut peut-être. Ouais, je pense qu'il faut passer par là-bas. Putain, je me suis emmerdé pour rien. Surtout qu'on est à 5 minutes 10, j'ai pas le temps de faire des conneries comme ça. Non, il faut monter, il faut aller beaucoup plus haut. D'accord. Nous sommes traqués, mon dieu. Ah d'accord, c'est un hélicoptère en plus. Hein. Putain, relou. Ouais, je pense qu'il faut passer par là-bas, il faut monter, monter, monter. Après, quand on aura atteint le mausolée, ça ira mieux. Ok, bah attaque mon grand, ne le dis pas, fais-le. Ah, il y a également apparemment un hélicoptère de la de l'Unidad, ça va être chiant ça aussi. Ça va être dur hein. L'Unidad en plus, aïe aïe aïe. Dur dur les gars. Oh non 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 non, on va crever. On va crever, ça va être relou ça. On est même pas arrivé encore. On est même pas arrivé. Donc on voit le mausolée. Attention, il y a du monde. Les mecs, on y va? Attends, je peux pas demander le mercenaire du coup. Tout le monde est prêt? Ouvrez le feu, les mecs. Compris. Faut ouvrir le feu là. Attendez, on va tuer un petit peu de monde là. Voilà. On passe par où? Par la gauche ou par la droite? Non, je pense que c'est par là qu'il faut passer. Ouais. Assez long quand même pour atteindre le mausolée. Hein. C'est quand même long. Là, remarque, on peut peut-être monter par l'échafaudage, non? Je sais pas du tout. Je pense pas. Pas prendre de risques. Attends deux secondes. Tranquille. Voilà. Oula! Bouge. Je suis mort. Venez m'aider les gars s'il vous plaît, il nous reste que 3 minutes 20, bougez-vous le cul. On n'est pas bien là. Là on n'est pas bien, je vous le dis. C'est pas évident franchement. Il y a des hélicoptères en plus autour, c'est un peu relou. C'est bon, ils vont me réanimer. Normalement qu'une seule fois par combat en plus. Hein. Il nous reste que 3 minutes pour atteindre le mausolée. Merci. Je pense qu'on peut le faire. Tu vois là je suis pas en stress du tout. Je suis pas du tout en stress, je pense qu'on peut le faire. Ok, bah j'y vais vraiment bourrin. Ok, non mais moi je me mets pas à terre. Hein. Il nous reste pas beaucoup de temps, faut pas paniquer, on y est presque les gars. Ça me rappelle quelque chose cette mission là. Pourtant on l'a jamais faite, hein, mais un mausolée ça me dit quelque chose quand même. M'en fous, je vais rusher.
Attention, il monte partout. On y est, bordel, là. Abusez pas, les mecs. Putain, ils sont chiés, là. On y est, et pourtant, ils nous comptent pas qu'on est au mausolée. Ah, il est là-haut, lui. Elle meurt. Allez, gros. On y va. J'ai fait un petit peu de tempo. Mais là, faut aller au mausolée pour arrêter ce chrono. Allez, allez, go, go, go. On arrête le chrono, mec. Faut arrêter ce foutu chrono. On y est, mec. On y est, on y est, on y est. On rush. Ouvrir. Voilà. Ouh. On a rush un peu à la fin. Mets tes putains de mains en évidence, tout de suite. J'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai les mains prises pour le moment. Où il est? Je veux voir le grand méchant. Pose-moi ça. Entendu. Adios, señor Katari. T'as 5 secondes pour te mettre à genoux les mains derrière la tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher, agent Bowman. Allô ? Chef ? Oui. Oui, mais je comprends pas. Chef. Non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef. Oui, j'ai compris. L'enfoiré! Merde! Bowman, qu'est-ce qu'il y a? Bowman! El Sueño est intouchable. Il a passé un marché et... Un marché avec qui? Avec qui, à ton avis? Le procureur! Attends, tu veux dire que ce bâtard... Il va nous livrer 4 chefs de cartel. Et 3 groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents. C'est pas possible, putain. Qu'est-ce que je disais? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser, Señora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolé. Bah maintenant! Oh! Le rêve est mort. Si vous visionnez ceci, c'est que j'ai exécuté El Sueño. Les gens vont sans doute croire que j'ai pété les plombs, que je me suis laissé emporter par l'émotion. Je les emmerde, les gens. Je savais exactement ce que je faisais. Ce petit fumier, ce monstre, a torturé et tué mon ami. Décapité mon associé. Fait des milliers de morts. Lui intouchable? Oui mais non. Pas si j'ai mon mot à dire. Vu ce qu'El Sueño savait sur Ricky Sandoval, plus rien n'aurait pu l'arrêter. Petit quiz. Qu'obtient-on en offrant l'immunité à un baron de la drogue? Un point pour ceux qui ont dit « dictateur ». Éliminer un baron de la drogue, c'est une chose. Éliminer un dictateur, là, 4 agents ne suffisent pas. Ma carrière, ma liberté, ma vie ne valent pas plus que la population sud-américaine. Apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est pour cette raison, sans doute, que je suis dans un institut correctionnel fédéral qui me servira mes 3 repas par jour pendant ce qu'il me reste à vivre. À l'heure qu'il est,
La CIA a dû publier un communiqué officiel indiquant que l'agent en question, qui n'est plus employé par nos services, contrevenait à un ordre direct de ses supérieurs. Ces actes ont porté gravement atteinte à nos efforts permanents en matière de renseignement intérieur comme extérieur. Et vous savez quoi ? Ils ont raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sans rancune. Mais j'espère qu'ils ne quitteront pas la Bolivie. Sans Pac Qatari, les rebelles vont s'auto-détruire à coups de lutte de pouvoir. L'Unidad va s'entendre avec la prochaine organisation criminelle. Et les restes de la Santa Blanca vont scinder en multiples mini-cartels avec des noms à la con du genre Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia et Los Hijos de El Sueño. Tout le monde va continuer à s'entretuer pour la coca. À votre avis, si Dieu avait su les destructions qu'entraînerait cette petite feuille, est-ce qu'il l'aurait quand même créée ? Ou alors, c'est exactement ce qu'il a fait. Je ne sais plus trop. Mais c'est plus à moi de répondre à cette question. Je vous laisse donc avec ça. Les dernières paroles d'Auguste, fondateur et premier régent de l'Empire romain. N'ai-je pas bien joué mon rôle ? Applaudissez, la pièce est finie. Bowman terminé. Bravo. Bravo, Man, qui a eu vraiment les colones de faire ce que tout le monde voulait faire, mais n'osait pas, à cause de la hiérarchie, tu vois. Eh bien, écoutez, voilà, les amis, c'est terminé pour ce Ghost Recon Wildlands. J'espère que ça vous aura plu, franchement. Alors, je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en ai pensé. Alors, évidemment, beaucoup d'entre vous m'ont dit, Galax, il y a deux fins. Apparemment, il y a une fin où, quand tu affrontes El Sueño, quand tu fais les fameuses missions, et quand tu as tué les 4 chefs autour, parce que moi j'en ai tué que 2, et bien logiquement tu as une deuxième fin. Alors peut-être que je vous la ferai, peut-être que j'essaierai de la faire, je suis pas sûr du tout, hein, vraiment, parce que là pour moi, j'ai le générique de fin, donc du coup le jeu pour moi est terminé, le let's play est fini, sachez-le, mais on aura l'occasion peut-être de revenir sur le jeu en live et tout, pour après vous mettre la deuxième fin, je sais pas encore ce que je ferai. Bref, en tout cas, pour moi ce let's play est terminé, et j'ai passé vraiment un agréable moment. Alors apparemment on peut accélérer, attendez, on peut accélérer, d'accord. J'ai passé vraiment un agréable moment à tourner, alors je vais passer carrément. Pour voir si jamais il y a un truc en plus, il y a une cinématique ou une connerie, on sait jamais. Et moi, j'ai passé vraiment un agréable moment, voilà, devant Ghost Recon Wildlands. J'ai trouvé que le jeu était vraiment réussi dans son ensemble, vraiment de très très bonnes choses. Un petit côté là, ce répétitif dans les objectifs, mais honnêtement, à part ça, c'était super. Oh mon dieu, nous sommes traqués ? Non. Ah bah non. Attends, je m'en vais. Ah bah y'a où ? Attendez, je me casse. El Sueño, le chef abattu, évidemment. Attends, est-ce que je peux partir ? Mais non, je suis coincé, putain de merde ! Je suis coincé ! Tuez tout le monde ! Bref, donc voilà, effectivement, c'est la galère. Et effectivement, moi, j'ai vraiment, les amis, j'ai vraiment kiffé ce Ghost Recon Wildlands. On va finir en action, tiens. Ça change un petit peu des autres let's play. Et vraiment, j'ai adoré ce jeu. Alors, je l'avais arrêté pendant un temps parce que je trouvais que le jeu était un peu répétitif. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Hein, on va pas se mentir, il est pas mal répétitif. Mais sorti de cet aspect-là, surtout que j'ai joué en solo, mais sorti de l'aspect répétitif, vraiment, le jeu est très très cool. Il est très agréable au niveau du shoot, la conduite des véhicules souvent est bien. Bref, il y a beaucoup de très très bonnes choses dans ce jeu. Et donc, moi vraiment, je vous le conseille, surtout si vous jouez en multi, c'est encore mieux. Hein. Mais voilà, honnêtement, il est très 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 agréable. Je vais essayer de m'enfuir, je vais devoir à mon avis sauter parce que là, avec l'hélicoptère, ça va être n'importe quoi. On va essayer de s'enfuir. Un maximum, et voilà, non, vraiment j'ai trouvé très très bon ce jeu de Ubisoft que je vous conseille. C'est vrai qu'au début, au niveau de l'optimisation, juste à ce niveau là c'était un peu compliqué. Oh, le missile, merde, saute vite, je suis pas mort, hein. Et c'est vrai que l'optimisation sur PC c'était pas fou, voilà, mais passé l'optimisation sur PC pendant un petit moment, après ça allait mieux, ils l'ont optimisé le jeu, donc maintenant on se retrouve avec un jeu qui est très très fluide, hein, vous pouvez le voir justement, et donc franchement ça tourne bien. Voilà, et franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Ah, d'accord, félicitations. En plein milieu, comme ça. El Sueño est neutralisé, mais vous n'avez pas déstabilisé. Vous n'avez déstabilisé que 63% du cartel. Les missions qui relèvent des contenus du jeu supplémentaires ne sont pas compatibilisées. Vous êtes de retour en Bolivie avec Bowman et la rébellion. Accomplissez 100% des missions pour débloquer une nouvelle fin. Voilà, exactement. Donc, quand effectivement, on a tué 100% des chefs au niveau des zones, etc., eh bien, écoutez, on débloque une autre fin. Voilà. Forcément, et donc ça nous oblige à faire tout à 100%, donc peut-être, je dis bien peut-être que dans quelques temps, les amis, si je rejoue un petit peu au jeu en live et tout, ou de mon côté, hein, eh ben écoutez, je vous montrerai la deuxième fin, voilà, on verra, c'est pas impossible, hein. Franchement c'est pas impossible, hein. Allez, poussez-vous monsieur,
Mais non, mais poussez-vous, j'ai dit. Allez, dehors. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé le jeu dans les commentaires. Bon, en tout cas, sachez que je l'ai bien aimé. On va faire un petit topo, hein, parce que depuis tout à l'heure, je me répète. On va faire un petit topo. Graphiquement, le jeu est magnifique. Vraiment, moi, c'est ce que je retiens peut-être le plus. Voilà, c'est les graphismes, une étendue de jeu incroyable, un monde totalement ouvert, qui fait super plaisir, carte postale. Franchement, carte postale. Une variété en plus dans les décors, avec des zones enneigées, des zones vraiment plus industrielles, des zones plus avec plein de champs de coca, tout ça. Franchement, non, c'est génial. Et niveau gameplay, franchement, très agréable aussi à jouer. Hein, les phases de shoot, les phases d'infiltration, j'ai trouvé sympa aussi. Bref, tout est bien géré de ce point de vue-là. Niveau durée de vie, le jeu est très, très, très long. Voilà, si tu veux vraiment tuer tous les chefs, je trouve ça long. Il m'a fallu plus de 25 vidéos, je crois, pour même plus. Ça tend presque une trentaine de vidéos, limite. Un peu moins, pour terminer le jeu, et encore à 63%. Donc franchement, non, il est quand même assez long. Il y a beaucoup de durée de vie. Après, si tu le fais en ligne droite, juste pour tuer El Sueño, effectivement, c'est trop, très vite fait. Mais vraiment, il y a une grosse durée de vie. Je trouve qu'après, en plus, il y a de la rejouabilité. Donc vraiment, c'est très, très bien à ce niveau-là. Niveau bande-son, le jeu est excellent. Vraiment, le jeu est excellent en termes d'ambiance. Il y a des radios avec la voiture. Radio très bolivienne, en plus. Ça c'est bien et on reste dans l'ambiance vraiment des cartels etc. Et en plus il y a de très très bons effets sonores au niveau des armes, des rechargements, les tirs etc, les grenades, les explosions, tout est vraiment bien fait. Bah écoutez, on va revenir là. Hop, on va revenir ici tranquillement et on va se quitter tranquillement. Donc voilà, effectivement moi j'ai trouvé que le jeu était très 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 réussi. Et donc là admettons, je reviens vers El Sueño et donc est-ce que je peux éventuellement refaire ces missions. On débloquera la dernière mission et effectivement si on réussit à battre par exemple ici El Muro et la reine de beauté. Voilà, tu vois, en gros il faut faire ça et tout, puis après on débloquera la dernière mission, on va dire du 100% de El Sueño. Bah écoutez, peut-être qu'on le fera. Franchement, j'ai bien envie. Ouais, j'ai vraiment très très envie. Eh ben écoutez, voilà. Franchement, c'est un jeu que je vous conseille. Moi, j'ai adoré. Après, c'est vrai que je vous conseille d'y jouer à plusieurs. Moi, honnêtement, alors je vais totalement franc avec vous, je pense que je suis le seul mec qui s'est fait plaisir sur ce jeu en jouant en solo. Tu vois, parce que moi je suis très jeu solo, donc du coup ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que j'avoue qu'en multi ce serait vraiment encore mieux. À mon avis il prendrait une autre dimension et je pense que c'est l'un des jeux les plus fun de 2017, je crois qu'il est sorti, ou 2016, je sais même plus. Et je pense vraiment que c'est l'un des jeux vraiment les plus fun, je crois qu'il est sorti en 2017, hein, de l'année dernière. Vraiment je pense que c'est l'un des jeux les plus fun en multi à jouer. Voilà. Bref, bah écoutez, merci à tous, on se retrouve très bientôt mes amis pour plein d'autres séries. Logiquement, il y a une nouvelle aujourd'hui d'ailleurs qui sort sur la chaîne. Voilà, une série un peu rétro, hein, je vous laisserai effectivement aller checker ça sur la chaîne. Merci à tous, et en plus c'est un jeu de tir. Ah ouais, très ancien, mais c'est un jeu de tir, et il est excellent. Merci à tous, à très bientôt, un petit pouce bleu en tout cas si la série vous a plu. Honnêtement, je pense que je mettrai la dernière fin. Voilà, je pense que je vous la mettrai en vidéo. Laissez-moi le temps, je ferai quelques streams sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, hein, c'est Galax Live pour info. Je ferai sûrement un petit peu du jeu en live, un petit peu de mon côté, enfin je verrai un petit peu ce que je ferai, pour essayer d'avoir le 100%. Voilà, merci à tous, vive les jeux vidéo et à très 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 bientôt. C'est tout le monde. You're best.